cette constitution donne ou a donné, a amené plutôt l'unité nationale. Il a dit, a apporté l'unité nationale. C'est la constitution qui C'est la pose le constitution moins de actuelle. problèmes possibles. C'est son point de vue. Mais je vous ramène à l'article 9. On dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolais, ainsi que sur les mers territoriales congolaises et sur le plateau continental. Cette réalité ici de l'article 9 qui a remplacé une autre réalité, parce qu'on disait que le sol et le sous-sol appartenaient à l'État congolais. Mais ici, je vais vous le démontrer de manière pratique. Beaucoup ont crié pour dire que l'AFC ne pouvait pas décrier pour dire que les avions des FARDC ne pouvaient pas survoler leur territoire. Vous vous souviendrez, l'AFC de Nanga a fait un communiqué pour dire que c'était une provocation de constater que Violation de l'espace aérien. violation de leur espace aérien. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ce fondement? Mais c'est dans l'article 9 ici. Donc, vous voulez dire que ici, le chef de l'État a menti en disant que la Constitution a été rédigée par des étrangers? Mais c'est une vérité connue. Le professeur Essambo, parce que vous avez voulu perdre mon fil d'idée, lui-même a dit que cette Constitution n'est pas l'émanation de la Constitution belge, n'est pas l'émanation de la Constitution française. Il a même dit que la France venait de modifier sa constitution en se référant à la constitution congolaise. Que même notre constitution ici, elle est en train d'être enseignée dans plus de 20 pays actuellement. Alors, tous ces Congolais l'ont craché sur leur mémoire et les qualifiaient des étrangers pour besoin de la cause. Ça me dit, mais l'IDPS a toujours qualifié beaucoup de gens des étrangers. Qui a dit que Kabila était un étranger dans ces pays? Qui a dit que Katumbi, c'est un étranger dans ces pays? Qui a donné des nationalités à des Congolais ici dans ces pays? Mais outre. Jusqu'à ce qu'ils commencent maintenant à donner des nationalités Merci. à ses propres conseillers Mais spéciaux. La Liputa, na wax de maman Moussika, les Tokomaka légende, na 3,5, 4,5, to 5,5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de maman Moussika. Vite, 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 vite. On y va. Je suis sa belle. Et maman, mon ouin. Et ça, la beauté. Non, mon thème est souk, caca, pomme, pomme. Mon thème est souk. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Na longo wana, na keko sala bilanga, babenga na biso, justice a kufate, na kosuka papa. Oui, wapi. papa. 20 ans na musala balungu langai. Sans te compte final. Justice a dikabache, akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales doit permettre biso teto sale la malam. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musala te. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koyan dengeni. Abika. Abika. Mingi. Lokola kodi hôpital na tanga fati. Donc d'Abika. Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice Nabiso est malade. Mais pour Nakobi qui ça y est, et Sengi apport yaba Congolais Nyoso. Yango wana to bengami biso Nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Toulouba.
Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey hey! Na imprimerie Mouzouri, yo bouki ba prix l'indengue à Kafou Kafou. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 dollars ya bamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yo ka mwana mère, to bouki pe ba extend na 29 dollars ya bambaye. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Le Front commun pour le Congo est sorti des seconds pour rappeler au chef de l'État que l'actuelle constitution a été écrite non pas à l'étranger et par des étrangers, comme le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a dit lors de son séjour à Kisangani. Il a plutôt été rédigé, ironie du sort, à Kisangani par... par des compatriotes représentant la diversité nationale. Et puis, la plateforme de Joseph Kabila rappelle qu'elle a été aussi massivement adoptée, soit avec plus de 85% par référendum populaire. Le Front commun pour le Congo, cette plateforme chère à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, appelle à une mobilisation de tout le peuple pour faire barrage au changement de la constitution telle que le veut le pouvoir en place. Nous avons l'insigne honneur de vous retrouver dans le cadre de votre émission Politicon qui revient. Bon début de semaine à toutes et à tous. Vous avez toutes les bonnes raisons de nous choisir car c'est notre moment. Le débat est de retour sur nos antennes avec deux têtes pensantes que nous avons reçues pour vous pour décortiquer, débattre de cette question sur la question du changement de la Constitution, bien entendu. Je reçois à ma droite Maître Alain Chamavou, porte-parole de COFEDEC, parti membre du Front commun pour le Congo. Merci d'être venu. Bonjour. Bonjour Gédéon. Je vous salue. Je salue les co-débatteurs, Maître Pinda. Je salue les auditeurs de la radio ou de la télévision de notre chaîne, ainsi que le peuple congolais, surtout la partie est, la population délaissée. Qui est toujours sous le botte de l'insécurité. Triste sort parce que le pouvoir l'a abandonné. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà présenté. Nous recevons aussi pour la première fois Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS, parti au pouvoir et président en même temps de la plateforme Yabison Pinda. C'est un honneur de vous recevoir et merci d'être venu. Cet honneur est partagé, le sentiment est partagé. Déjà que je suis reçu, dans un cadre qui donne envie de parler davantage. L'accueil qu'il y a eu, l'équipe technique qui est d'appoint. Merci à vous, merci. Je salue mon co-débatteur. Je pense que nous aurons un débat républicain et aussi respectueux.
Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on l'espère aussi. Nous avons bon espoir que vous allez passer un bon moment de télé en compagnie de cette émission, un débat républicain. Nous appelons de tout nouveau. Et avant d'entrer dans le vif de l'émission, je voudrais d'abord édicter le règle de l'émission. Lorsque l'un parle, l'autre s'était ou note les observations ou le réplique. Et aussi éviter les noms d'oiseaux. Et des qualificatifs un peu dégradants. Il serait mieux de parler de fonction des individus que parler de leur nom pour ne pas caricaturer ou personnaliser les débats, mais aussi intervenir dans le temps d'antenne de l'autre. En tout cas, vous serez ponctionné lorsque vous allez prendre la parole. Je crois que nous allons mettre d'accord sur ces principes. Et la grande actualité, c'est le changement de la Constitution. Vous avez suivi l'intervention du chef de l'État le vendredi dernier à Kisangani. Pour vous qui y avez suivi depuis une certaine période ces feuilletons tels qu'ils se déroulent, c'était une surprise pour le Front commun pour le Congo, voir enfin le président de la République faire cette grande annonce qui, au lieu de mettre fin à ce débat, le relance de la plus belle des manières. Ça ne m'a pas surpris, connaissant notre président de la République, qui parfois prend des positions aujourd'hui et irait venir demain. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le président. Rappelez-vous déjà avec sa candidature, il avait dit que le changement c'est Fayulu. Quelques jours après, il dira que c'est le peuple ou la base de l'IDPS qui l'aurait demandé de retirer sa candidature. Il devient président, il signe les accords avec le FCC pour diriger le pays. Une année ou deux ans plus tard, il se rebiffe. Il fait l'alliance avec Ensemble pour la République, mais quelques mois après, il se sépare. Il fait les alliances avec les Rwandais, il donne l'ordre de Sakiba, il donne l'aéroport de Goma, il donne, je ne sais pas, tout ce qu'il a promis au Rwanda. Et quelques jours après que le peuple s'est réveillé, il s'est rebiffé. Est-ce que ce n'est pas normal quand on sait que les relations se font et se défont? En réalité, le terme que j'utilise ici, de borderline, tiré dans la bouche du président de la République, ça pourrait être qualifié comme quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui peut prendre des décisions aujourd'hui. Vous l'avez suivi en Belgique, il n'y a pas longtemps, quand il était parti pour les soins, il avait dit qu'il ne va pas réviser la Constitution pour changer le mandat du président. Quelques mois après, à Kisangani, il se rebiffe. Il dit non, on doit changer la Constitution. D'ailleurs, l'article 220, c'est le peuple. Vous, peuple, on va vous soumettre cette question pour voir si on peut changer les mandats du président de la République. Donc, ça ne m'a pas surpris. Est-ce que ne s'est-il pas rendu compte de faiblesse qu'acquise cette constitution du 18 février 2006 pour enfin, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, soumettre le pays ou le peuple au référendum tant tendu? En fait, cette constitution a une histoire. Laquelle? La constitution du 18 février 2006 a une histoire. Et nous, je suis porte-parole de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, un parti parmi les rares signataires de l'accord global et inclusif. Nos pères fondateurs se sont battus pour réunifier les pays. Plusieurs réunions se sont faites, que ce soit à San City, que ce soit à Harare, que ce soit dans presque beaucoup de capitales, de beaucoup de pays. Mm-hmm. Pour qu'on arrive à cette constitution, j'ai été surpris d'apprendre que ce sont les étrangers qui l'ont rédigé. Effectivement, pendant ce débat-là, l'actuel président de la République n'était pas au pays. Vrai ou faux, la Constitution... Donc, il ne savait pas ce qui s'est passé au pays. Il était à l'étranger. Vous gardez la parole, vrai ou faux, le chef d'État n'a-t-il pas raison sur cette question quand il dit que la Constitution a été rédigée par des étrangers? Mais nous sommes en train de suivre les pionniers de cette Constitution. Certains sont conseillers spéciaux de l'actuel président de la République. Vous faites allusion à... Notamment au professeur Essambo. Et Boshab, Nyabirungu qui a conçu l'article 17, 18 de la Constitution. C'est un professeur Alnikine, il est là, qui consacre la liberté comme la règle et tout et tout. Parce que plusieurs professeurs se sont mis ensemble. Plusieurs têtes du pays. Je venais de suivre même le professeur, celui, l'ancien juge à la Cour constitutionnelle qui avait démissionné, qui dit aussi faire partie. Donc nous sommes en train de suivre les gens. Mais comme notre président de la République n'était pas au pays, il était à l'étranger, il ne savait pas ce qui s'est passé au pays à cette époque. Aujourd'hui, ils ont traversé. Alors, comme lui, est-ce il était à l'étranger. Il prendrait parole sur cette question. Il pensait que les choses se faisaient. Peut-être faire venir le chef de l'État à la raison ou pour rétablir la vérité sur cette question.
En fait, même si les acteurs là ne les amènent pas à la raison, le peuple va les ramener à la raison. En quoi faisant? Et vous savez, cette constitution-là, c'est l'émanation du peuple. C'est notre constitution. Et nous allons la défendre. Qui est des morts, qui est des, je ne sais pas de quoi, des, je sais pas de, des canons, nous allons survivre. Et cette constitution-là ne sera pas touchée. Ça, je l'assure. Merci beaucoup. Maître Richard Pinda, vous êtes cadre du parti au pouvoir. Vous vous êtes opposé au projet des changements de la constitution en 2016, si je suis fidèle encore à ma mémoire. D'abord, une première question. Quand le chef de l'État dit que cette constitution a été rédigée par, à l'étranger et par des étrangers, qu'est-ce qu'il attend par une constitution rédigée par des étrangers ou une constitution des étrangers? Alors, je voudrais ici d'abord revenir sur un point important. Vous avez dit à l'entame de votre propos, vous avez dit que cette constitution, vous avez relayé la position du FCC pour dire que cette constitution est passée au référendum, il a été voté à 85%. Tout à fait. Ok. Mmh. Vous avez dit que c'est la volonté du peuple. Vous avez dit que la population a décidé que nous ayons cette constitution-là. Mais la seule question que je vous pose, comment le FCC peut revenir sur cette prise de position lorsque la population qui a accepté cette constitution au référendum a décidé que l'article 220 ne soit pas déverrouillé et que Joseph Kabila l'a déverrouillé par deux fois? Je vous explique. Lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, mm-hmm. il est défini les mandats, la durée du mandat du président de la République. Mm-hmm. On parle de 5 ans renouvelables une fois. Lorsque vous allez dans la pratique de 2011 à 2018, Joseph Kabila a fait 7 ans. C'est-à-dire qu'il a violé dans la pratique. En raison des aléas qu'il y a eu, de pesanteur, et il a dû composer avec la classe politique de l'opposition. Trouvez-lui des excuses qui vous plairaient, mais la durée de son mandat de 2011 est allée jusqu'à 7 ans, plutôt jusqu'en 2018. Et il a consommé 7 ans au pouvoir. Je vous prends avec toujours à l'initiative de Joseph Kabila. Vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, moi j'appelle l'arrêt Luamba, qui a interprété l'article 70 pour dire que le président de la République restait en place jusqu'à l'investiture du nouveau président de la République. Et donc, en prenant en compte ces deux pratiques, la durée du mandat du président de la République, qui était des 5 ans, avait été violée. Et donc, pour dire que nous avons 3 durées, 5 ans, qui est prévu dans la Constitution, une jurisprudence qui a été créée par Joseph Kabila pour un mandat de 7 ans, et aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui interprète, qui donne une interprétation de l'article 70 pour dire que le mandat du président de la République était, avait une durée indéfinie. Et donc, cette cacophonie qui avait été créée, je suis moi abasourdi, je suis moi dérangé dans ma conscience scientifique pour accepter de voir aujourd'hui que le FCC serait, comment dire, en train de dire que cette constitution qui est passée par référendum, qui avait obtenu 85%, devait en principe être respectée si eux-mêmes n'ont pas été. Est-ce que c'est cette pratique qui vous donne matière à réflexion aujourd'hui pour vouloir changer ou pour vouloir de la refonte totale de la constitution? J'essaie de réfléchir avec vous avant cette émission, en dehors du plateau, pour vous faire valoir d'une chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi quitte le pouvoir et que moi, je reviens en tant que président désigné par l'UDPS, je ne suis pas Tshisekedi pour respecter les 5 ans de la Constitution. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'avec les politiques, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté et Kabila a obtenu 2 ans de plus, 2 ans supplémentaires. Par un dialogue. Appelez ça comme vous voulez. Mm-hmm. Mais il a obtenu 2 ans de plus en violation de la Constitution. Mais ça, c'est dans la pratique. Non, mais laissez-moi évoluer. Et le dialogue fait partie de la culture démocratique. Vous avez posé. Mais si vous voulez changer l'esprit de cette Constitution. Vous avez posé une question. Ce n'est pas moi qui change l'esprit de la Constitution quant à la durée du mandat du président de la République. C'est à l'initiative prise par le président Joseph Kabila que la Constitution a été modifiée. Mais l'esprit n'a jamais été changé. Mais c'est ça l'esprit, en fait. L'esprit voulait que l'on ait 5 ans. Mais dans ça, c'est dans la pratique. Vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Vous ne me laissez pas parler. Mmh. Mais je ne suis pas dans la logique de perdre ma file d'idées. Mmh. Non, pas du tout. Je reste tel quel. Je reviens pour vous dire, vous avez posé, est-ce ces pratiques-là qui nous poussent aujourd'hui?
Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prendre des réformes tendant à organiser ou réorganiser l'État. Voilà ce que nous nous disons. Si une autre personne, même venue de l'UDPS, arrive au pouvoir, moi, mettez-moi Pinda Richard, président de la République en 2028, et que je me dis, je voudrais rester le plus longtemps possible au pouvoir, mais je n'ai pas besoin d'une nouvelle constitution. Je ne me servirai que de cette constitution ici. En me servant de cette constitution, je recours à la jurisprudence que Joseph Kabila a créée. Je recourrai à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui existe, qui n'a pas connu une réforme. On n'a pas pris un arrêt réformateur pour mettre fin à cette ignominie scientifique et juridique qui avait été créée par ce monstre qui avait été créé. On ne l'a pas fait. Et donc, on crée des précédents et ces précédents pourront mettre à mal. Voilà pourquoi nous prenons aujourd'hui l'initiative éventuellement de dire qu'il faut y aller. Je vous prends encore une autre disposition, cette même disposition qui a violé encore la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 220, in fine, je vais vous le lire, souffrez que mes yeux me jouent de tour. L'article 220 toujours de cette même constitution. Oui, allez. In fine, laissez-moi lire. L'alinéa 2, on dit « est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées. » Posez-vous la question de savoir en vertu de quoi, en vertu de quel pouvoir constitutionnel, parce que nous parlons de la Constitution, que le président de la République, le président d'antan, Joseph Kabila, a nommé les commissaires généraux. C'était déjà en violation de cette Constitution. On ne parle pas de n'importe quelle disposition, mais on parle plutôt de l'article 220 qui est censé, supposé être verrouillé. Ça, c'est un point que vous relevez. Et l'opinion retiendra que ce qui avait été verrouillé a été déjà déverrouillé. Mais pour ne pas laisser la nation en danger, prenons par exemple, je vous prends encore cette même disposition. En deux secondes, le président Tshisekedi ou moi, président de la République, en 2028, je suis élu. Je voudrais avoir plus de prérogatives. Je nomme les commissaires spéciaux. Je les ferai en vertu de quoi? De cette même constitution. Vous voyez ça? D'où l'intérêt, parce que il faut se le dire, cette constitution a perdu tout son sens. Merci. Parce que les dispositions, les différentes dispositions verrouillées par l'article 220, c'est ce qui définit la forme de l'État, le régime politique dans lequel nous sommes. Mais nous en sommes rendus au temps où l'opinion doit retenir que ces dispositions verrouillées ont été déverrouillées pour servir à des fins individuelles. Et cela a mis même l'État en mal. Voilà pourquoi nous proposons le changement de la Constitution. Merci beaucoup. Pour réorganiser l'État. Merci beaucoup. Autrement, permettre à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. Il y a une question à laquelle, s'il vous plaît, je voudrais chuter par ce mot. Je suis en train de veiller autant. Je voudrais chuter parce que je vais perdre le temps. À la partie qui tape du temps. Donnez-moi 3 secondes. Il a pris 5 minutes. Donnez-moi 3 secondes. Vous devez aussi prendre 5 minutes pour équilibrer le débat. Là, on a même pris 3. Donnez-moi 3 secondes, s'il vous plaît. On dit ceci. Le président Tshisekedi a dit que la Constitution a été rédigée par les étrangers. C'est la question que vous aviez posée. C'est la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Exactement. J'y réponds maintenant. Mm-hmm. Le professeur Essambo, il l'a cité en tant que l'un des acteurs, l'un des rédacteurs, qui a participé de manière active à la rédaction de cette Constitution. Il vous dit de manière claire que des 21 rédacteurs, il n'y a eu que 3 Congolais. Nelson Mandela dit ceci, ce qui est fait pour vous, contre vous, plutôt ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Et donc l'opinion retiendra que cette constitution n'a pas été conçue pour les Congolais. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer tout le long de cette émission, je ne répondrai pas, l'opinion retiendra que je ne répondrai pas à ces pics du genre borderline, tout ce que vous voulez. Merci je voudrais beaucoup. Que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Nous allons rester dans la constitution. Je ne vais pas me disperser à répondre à des provocations telles que cela. Alors, maintenant là, on a beaucoup de raisons pour lesquelles il faut changer cette constitution. Le chef de l'État dit que la constitution n'est pas adaptée aux réalités du pays. Autre raison, c'est le gouverneur doit désormais être nommé et non être élu par les députés provinciaux. En plus, cette constitution a été rédigée à l'étranger.
et par des étrangers. Ici, tout à l'heure, Maître Pinda relevait les faiblesses ou les antécédents fâcheux de cette constitution. Qu'est-ce que vous répondez? Très bien, mon cher frère, nous sommes en train de parler de notre pays. Nous sommes en train de parler de notre constitution. Ce débat ici, ce n'est pas un débat qu'on peut prendre à la légère. Je l'ai dit, moi je suis né à Bukavu. Et j'ai grandi sous le crépitement des balles. Je connais la guerre. Je connais les méfaits de la guerre. Je suis allé à l'école primaire avec des collègues assassinés en cours de route par la guerre. Si nous avons la paix aujourd'hui, c'est par cette constitution. Si nous avons l'unité du pays, c'est à travers cette constitution. Dans l'idée de la création de cette constitution par les Congolais, en RDC, il y avait plusieurs tendances. Je vais vous le dire. La constitution nous a permis à rassembler. S'il vous plaît. À rassembler tout le monde. Oui. Tous les belligérants. Parce qu'il y avait plusieurs tendances. Il y avait ce qu'on appelait les unitaristes. Ça signifie les gens qui voulaient que le Congo soit un à travers cette constitution. Il y avait les fédéralistes. Il y avait les sécessionnistes. C'est là qui voulait que les Katanga soient indépendants, un pays à part, les Kivu soient un pays à part. Les Kasai un pays à part, Kinshasa un pays à part. Et il y a eu des débats et des débats. Des réunions et des réunions, des stratégies et des stratégies. Si vous avez vu Kabila avec des cheveux blancs à l'âge de 35 ans, c'est à cause de tout ça. Parce qu'il devait être au four et au moulin. Je finis. Faut pas exagérer. C'est un look que s'est donné. Ce n'est pas suite au poids de charge de la République. Ce n'est pas un produit comme nous sommes en train de voir certains vieux ne voulant pas avoir des cheveux blancs commencer à pratiquer des produits pour que les cheveux soient noirs. Non. Ce sont des stress. Ce sont des nuits blanches que ces garçons, je l'appelle garçon parce que c'est un grand frère et quand même un ancien président de la République, a souffert dans ce pays. Et aujourd'hui... Ça veut dire, vous voudrez dire, c'est que la Constitution nous a mis d'accord sur la manière de gouverner la République. Les unitaristes, les sécessionnistes, les fédéralistes, tous étaient d'accord sur... Et même les divisionnistes. Je peux appeler aujourd'hui les balkanistes. Tous étaient là-bas. Mais après un grand combat, les unitaristes ont fini par triompher. Et parce que le peuple aussi ne voulait pas. Le peuple était déjà fatigué de la guerre. Le peuple était déjà fatigué de la division. Le peuple était déjà fatigué. Nous étions dans la zone d'IRCD. Pour venir ici à Kinshasa, il fallait passer par 3 ou 4 pays. Il fallait aller par le Rwanda, venir par Brazzaville ici pour venir ici à Kinshasa. Vice-versa. Et donc, comme si nos amis de l'IDPS veulent encore nous ramener dans ces débats-là, pendant qu'il y a une partie déjà du pays. Et sous occupation de rebelles. C'est vouloir accentuer. Ne pensez-vous pas que les fédéralistes ont été vaincus et ils sont partis. Peut-être qu'ils sont en train de s'organiser. Ne pensez-vous pas que les sécessionnistes... Mais le chef de l'État dit pour l'instant, ce n'est pas une question d'urgence. Non, mais il a dit ça en 2021. Mais non, il est en train de ressusciter. Il va réunir tout le Congolais qui vont réfléchir. Alors, il n'est pas interdit non plus de réfléchir. Comme le confrère... À mettre à l'écharme à vous. Comme le confrère n'a pas été à l'aise à la question lui posée, il lui a consacré, je crois, 1 minute pendant les 10 minutes qu'il a parlé, de savoir si ce sont des Congolais ou des étrangers qui ont rédigé cette constitution et si c'était au Congo ou c'était ailleurs. Mais il vous dit qu'il y a seulement 3 personnes congolaises qui ont participé, les autres là, qui n'a même pas cité, qu'on ne connaît pas. Et si vous suivez professeur Essambo, il vous dit... Alors c'est une fable qu'il a racontée ici. Oui, parce que je prends l'exemple du conseiller spécial actuel du chef de l'État. Qui a participé à cette constitution? À part lui. Essambo. À part lui. Où sont les autres Congolais? Mais je vous ai donné le professeur Nyabirungu. Je vous ai donné l'ancien juge de la Cour constitutionnelle qui est à l'Union Sacrée aujourd'hui. Celui qui avait démissionné, le nom en train de m'échapper. C'est un politologue de l'INIKIN ici. Je peux vous citer
Beaucoup de professeurs qui ont alors, d'où est sortie cette... Les Bob Kabamba. D'où est sortie... Le professeur Bob Kabamba. D'où est sortie cette pensée ou encore... Alors... Attendez, je vous relance, s'il vous plaît. Permettez-moi de poser la question. D'où est sortie alors cette pensée selon laquelle la Constitution a été rédigée par... Vous allez prendre... Je reviens. S'il vous plaît. Ce manque d'élégance, je voudrais... Je pose la question pour que vous reviennent. D'abord, s'il vous plaît. Ce manque d'élégance, c'est Moulou Bassi. Ça, je n'apprécie pas du tout. Si c'est non, le non, c'est un manque d'élégance. Non, s'il vous plaît. On est élégant, s'il vous plaît. Ça, c'est moi que je retire. Retiré. Okay? C'est moi que je retire. Ça ne sert à rien de faire le débat, c'est ça. Il a retiré. Mais je voulais dire que le professeur Bob Kabamba, il est de la même tribu que les confrères ici, qui a participé à cette mais pourquoi ça là-dessus. Qu'est-ce que vous connaissez de ma tribu? Je suis de quelle tribu? Vous comprenez? Je suis de quelle tribu? Et donc, j'en appelle une fois de plus à l'élégance, que l'on reste dans les débats républicains, éviter les qualificatifs et les noms d'oiseaux. Ce n'est pas ça l'objet du débat. De cette constitution, les rédacteurs sont des Congolais, sont de différentes tribus. Il y a des Bashi qui ont participé. Il y a les Bassouels, comme on les dit, qui ont participé. Il y a les Bangala qui ont participé. Vous voulez dire toutes les tribus du Congo qui ont participé. Maître Alain Chamavou, la question... Et donc, cette constitution n'a jamais été rédigée par les étrangers. La question, vous voulez dire qu'ici, le chef de l'État a menti en disant que la constitution a été rédigée par des étrangers. Mais c'est une vérité connue. Le professeur Essambo, parce que vous avez voulu perdre mon fil d'idée, lui a dit que cette constitution n'est pas l'émanation de la constitution belge, n'est pas l'émanation de la constitution française. Il a même dit que la France venait de modifier sa constitution en se référant à la constitution congolaise. Que même notre constitution ici, elle est en train d'être enseignée dans plus de 20 pays actuellement. Moi, celui qui m'a enseigné les droits constitutionnels, c'était l'assistant de fait Abbé Malumalu. Malumalu a fait partie des rédacteurs de cette constitution. Le fait Apollinaire Malumalu. Et le professeur qui m'a donné cours, il y avait des dispositions, notamment sur les droits économiques, qui sont l'émanation du professeur, parce qu'il était professeur d'université, de l'abbé Malumalu. Je vous parle de l'article 17 de la Constitution, de l'article 18. C'est l'émanation, c'est l'idée du professeur Nyabirungu. Merci beaucoup. Et bien d'autres articles. Si vous rencontrez le professeur Essambo, il vous dira que telle disposition, ça c'est mon idée. Alors, tous ces Congolais-là crachaient sur leur mémoire et les qualifiaient des étrangers pour besoin de la cause. Ça me dit, mais l'IDPS a toujours qualifié beaucoup de gens des étrangers. Qui a dit que Kabila était un étranger dans ce pays? Qui a dit que Katumbi c'est un étranger dans ce pays? Qui a donné des nationalités à des Congolais ici dans ce pays? Mais outre... Jusqu'à ce qu'il commence maintenant à donner des nationalités à ses propres conseillers spéciaux. Mais outre ce point de vue, donc, outre cette raison, il y en a bien d'autres pour lesquelles on veut bien. Alors, je voulais revenir. Attends, gardez ça, vous allez prendre ça après la réaction de Maître Pina. Non, attendez, l'article 70, il a évoqué l'article 70. Notez tout ce que vous avez à dire. En attendant, on va prendre cette intervention du chef de l'État face à notre confrère Christian Lusakweno. Au cours de cette interview, le chef de l'État disait ne pas vouloir changer le mandat ou la durée d'un président de la République. On l'écoute, puis on revient et prendre ce qu'en pense, en tout cas l'invité, Maître Richard Pinda. Je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner le propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, mais telles que celle-là qui nous pose beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit. J'ai prêté serment le 20 janvier.
devant la nation. Et immédiatement après la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes. Voilà. Ici, le chef de l'État disait ne pas avoir l'intention d'échanger la durée du mandat du président de la République. Maintenant, là, il ne cache plus son intention de vouloir revisiter tout ça. La question est de savoir, est-ce que le combat ou le changement de la Constitution est en lien avec l'esprit de votre combat pendant plus de 37 ans à l'opposition? Alors, si vous posez cette question-là, je m'en vais d'emblée vous répondre par la réaction de l'UDPS, parce que déjà en 2005, lorsque nous sommes allés au référendum, l'UDPS a dit non à cette constitution. Il faut retenir une chose, lorsqu'on accède au pouvoir, lorsqu'un parti politique accède au pouvoir, ce parti politique a un projet de société. Et ce projet de société, c'est ce qui nous a accompagnés tout le long de notre combat, c'est-à-dire 37 ans de lutte. Ça a été fondé sur ces projets de société et cette philosophie, cet esprit, cette ratio legis, comme on dit chez nous, éventuellement pour permettre à ce que nous puissions aboutir, à une société à l'entendement de l'UDPS. Et donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que l'UDPS qui est au pouvoir puisse éventuellement amener les choses selon la philosophie avec laquelle il a lutté et avec laquelle il a fondé son combat. Donc c'est en lien avec votre combat. Évidemment, mm-hmm. Évidemment. Je voudrais revenir sur certains points. Je voudrais interpeller le compatriote en face de moi, puisqu'il a cité Bob Kabamba, il a dit qu'il était Moulouba. Lorsque Tshisekedi dit, il ne faut pas confondre la tribu d'une nation. Tshisekedi a dit que ce n'était pas des Congolais. Lorsque vous citez Bob Kabamba, vous êtes avocat, vous n'êtes pas sans ignorer que la nationalité congolaise est une exclusive et que Bob Kabamba est belge. Lorsqu'on dit qu'elle a été conçue par les étrangers, entre autres, c'est celui-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne m'imputez pas d'être Moulouba, je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas Moulouba. Pour vous plaire dans ce que vous dites, donner une connotation tribale, vous voulez dire que Richard Mpinda, ici, il est Moulouba. Non, je ne suis pas Moulouba, je suis Louloua. Renseignez-vous avant d'imputer des faits, des propos à des gens, et ce n'est pas élégant. Lorsque nous parlons du Congo, nous ne voyons pas l'attribut. Nous voyons plutôt la compétence que les gens apportent pour édifier cette nation. Avant d'en arriver là, je vous ramène encore sur une autre réalité dont il a voulu tordre l'essence. Lorsque, je le ramènerai toujours dans la Constitution, il dit, cette Constitution donne ou a donné, a amené plutôt l'unité nationale. Il a dit, a apporté l'unité nationale. C'est la Constitution qui pose le moins de problèmes possibles. C'est son point de vue. Mmh. Mais je vous ramène à l'article 9. On dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolais, ainsi que sur le mer territorial congolaise et sur le plateau continental. Cette réalité ici de l'article 9 qui a remplacé une autre réalité, parce qu'on disait que le sol et le sous-sol appartenait à l'État congolais. Mais ici, je vais vous le démontrer de manière pratique. Beaucoup ont crié pour dire que l'AFC ne pouvait pas décrier pour dire que les avions des FARDC ne pouvaient pas survoler leur territoire. Vous vous souviendrez, l'AFC de Nanga a fait un communiqué pour dire que c'était une provocation de constater que violation de l'espace aérien. Violation de leur espace aérien. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ce fondement? Mais c'est dans l'article 9 ici. On dit l'État exerce une souveraineté permanente. Ça veut dire quoi? La souveraineté, c'est l'exercice des prérogatives ou des services publics. Lorsque l'État congolais tel que maintenant est dans l'incapacité de pouvoir exercer
le pouvoir public sur ces territoires-là, c'est-à-dire que ces territoires ne l'appartiennent plus. Vous voyez ça? La logique est que ceux qui exercent le pouvoir public, ceux qui exercent la souveraineté sur ces territoires-là, ce sont eux qui sont propriétaires de ces terres-là. Vous voyez pourquoi cette constitution pose problème? Cette constitution donne des pouvoirs exorbitants. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que Mbunagana nous appartient selon la logique de cette constitution? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'État congolais, qui aujourd'hui est représenté par Félix-Antoine Tshisekedi, n'exerce pas la souveraineté sur ces territoires-là. Qui perçoit les impôts à Mbunagana? C'est parce que les territoires, ce sont des territoires qui sont sous occupation de groupes rebelles. Alors, si nous allons dans la logique ancienne, la logique qui voudrait que l'article 9 dise que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, que l'on exerce la souveraineté ou pas du tout, mais c'est un territoire congolais. Mais aujourd'hui, avec cette disposition ici, ces territoires ne nous appartiennent pas. C'est cette constitution-là qui pose problème. Voilà pourquoi. Donc ça donne un chèque à blanc à certains groupes rebelles de prendre des territoires. Je le répète, excusez-moi. Je le répète, il est dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolais, ainsi que sur toute la mer territoriale congolaise. Mais Maître Pinda, la souveraineté d'un État, c'est de savoir imposer son autorité partout. Quand vous n'avez pas une armée efficace à même de déloger certains groupes armés des territoires qu'ils ont occupés, est-ce que cette réalité, en quoi elle violerait l'article 5 de la Constitution? Un autre débat, parce que les débats portent sur cette Constitution ici, vous ouvrez le débat sur la capacité ou pas du tout de l'État, ok? Vous n'allez pas me dire, lorsque le territoire russe est attaqué, on a bombardé en Russie, est-ce pourtant que la Russie n'est pas à même de pouvoir assurer la sécurité des biens et personnes? Lorsque il y a eu l'attaque des deux tours jumelles de Old Street Center, ok? Vous n'allez pas me dire non plus que la capacité militaire n'y était pas. C'est un faux débat que vous ouvrez. Mais je vous ramène sur cette réalité. C'est un faux débat? Je vous ramène sur cette réalité ici. La souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est la capacité à exercer certains services publics. Ok? Et entre autres de ces services publics, vous avez la perception des impôts, la sécurité des biens et personnes, garantir la libre circulation des biens et personnes. Je vous pose la question de savoir, est-ce que l'État congolais, la République démocratique du Congo, exerce sa souveraineté sur les territoires occupés par l'AFC, par le M23? Oui ou non? Vous serez d'accord avec moi que l'État congolais ne le fait pas, et par voie des conséquences, c'est cette constitution qui donne des pouvoirs exorbitants à tout celui qui prendra les armes contre la République. Mais l'article 9 est clair là-dessus. Le FCC, dans son communiqué d'hier soir, il a qualifié ce projet de changement de la Constitution de funeste, parce que l'intention est de avoir une présidence à vie, une présidence importante. L'intention du régime. Et le chef de l'État n'a pas caché son intention. Vous n'avez pas répondu à la question, qu'est-ce qui a changé? Hier, il disait qu'il n'avait pas l'intention de changer la durée. Aujourd'hui, ou depuis quelques heures, vous êtes en train de il est enfin revenu en acceptant qu'il veut soumettre le peuple au référendum. Je vous ai dit une chose, je vous ai dit ça, avant d'entrer, avant le plateau ici, je vous ai dit. Mais dites-le à l'intention du public. Je le dis encore ici, l'opinion retiendra ce qui suit, qui a Dieu, ok? Après Dieu, la population. Après la population, c'est la constitution de la République. Après, c'est le président de la République. Vous voyez ça? Et donc, si le président de la République estime qu'il faille retourner en vertu de l'article 5 de la Constitution, je n'évoque que les dispositions de cette même Constitution pour éventuellement donner le droit au souverain primaire de pouvoir s'exprimer pour éventuellement... Il y a Dieu, il y a le peuple. Je suis en train de... Je voudrais qu'on se mette d'accord sur ce point. Il y a Dieu, il y a le peuple, il y a la Constitution.
Mais à partir du moment où cette constitution a été adoptée par le souverain primaire à 85%, je vous ai demandé pourquoi la qualifier encore aujourd'hui poser d'une à constitution tous ceux du FCC, étrangère l'avoir. Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Restons sur le fondamental, ce qui est beaucoup plus important. Qui a lancé ces faux s'il débats vous plaît, s'il vous plaît. Revenons sur le fondamental, ici. Les minutes, hein. Vous avez dit ce qui suit, que le FCC a prétendu que c'est avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence que cette constitution a été conçue, éventuellement pour permettre à ce que... Elle est soumise au peuple. Exactement, à 85%. Je vous démontre, je reste toujours sur l'article, l'article 9 de cette même constitution. Toujours sur cette question, voilà ce qui se passe. Lorsque vous avez signé l'accord, lorsque les FCC avec Joseph Kabila ont signé l'article de 2009, plutôt l'accord de 2009 et l'accord de 2013, cédant la partie, l'intégralité de la partie Est, c'est-à-dire que vous prenez une partie du Katanga, vous prenez les Maniema, vous prenez les Sud et le Nord Kivu, il a complètement consacré la balkanisation en ne nommant que ceux qui avaient la morphologie tuti qui revenaient particulièrement, ils venaient de les officiers. Donc vous jugez les gens sur base de leur étymologie, de leur faciès. Vous ouvrez un autre débat pour élider ce que je suis en train de poser comme préalable ici. Non, pas du tout. Non, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pinda. Je suis rodé à ça. À ce jeu-là, je suis rodé, très rodé. Je ne prête pas des interventions. Je reviens. On ne fait que poser des questions et faire calibrer les débats. Je ne suis pas dans la logique, comment on appelle ça déjà, du délit des faciès. Je ne suis pas dans ça. Je dis, je rapporte le fait. Prenons Abou Nagana. Lorsque la rébellion sous Tshisekedi est enclenchée, ok, de toutes les troupes qu'il y avait là-bas, ok, tous ont quitté l'unité de la police qui était là pour aller rejoindre la rébellion. Un seul Congolais ou un seul gars ayant la morphologie non Tuti, non Banyamulenge est resté là-bas. Comment vous pouvez l'expliquer dans un état des hommes normaux où l'on donne toute la portion que j'ai citée ici, dont les animateurs ne pouvaient que être originaire de ce coin-là, je vous prends par exemple Smith, celui qui était à la 22e région militaire, qui dirigeait pratiquement des mains de maître, qui au Congo ici, il venait en tant que commandant d'une des régions militaires où il avait des entreprises au Rwanda. Allez-y comprendre que lorsque nous allions nous réveiller à un moment donné, nous allions nous rendre compte que l'exercice de la souveraineté n'appartenait plus à la République démocratique du Congo, et que celle-ci devait appartenir à des officiers anciens du RCD Goma, anciens du CNDP, anciens du M23, et aujourd'hui de la AFC. Et donc, l'opinion retiendra que cette constitution a démontré suffisamment ses limites, et par voie de conséquence, il faille à ce que nous puissions la changer. Un autre élément pour chuter, j'étais en train de parler là-dessus, je revenais là-dessus. Lorsqu'on nous dit que c'est cette constitution, c'est faux. Cette constitution ne nous a jamais mis ensemble. Parce que l'opinion retiendra. Nous sommes en 2002, avant la signature de l'accord global et inclusif. En tout cas, vous avez eu une minute, hein, parce que je suis en train de compter les minutes. Il y a eu un accord. Mais que ce soit un débat, il y a eu un accord qui a été signé. L'accord qui a été signé entre les MLC et le gouvernement représenté par Vital Kamerhe, le MLC par Jean-Pierre Bemba. Cet accord a été signé à l'hôtel de Cascade dans le Congo central. Cet accord consacrait la balkanisation de la République. Allez. C'est-à-dire que le RCD... Merci. J'ai pas encore chuté. Pourquoi je cite c'était cet accord-là déjà, s'il vous plaît. Cet accord a consacré la balkanisation de la République, c'est-à-dire que la partie Est, telle que je l'ai décrite ici, était dirigée et contrôlée par les RCD Goma. C'est-à-dire que les autres ayant été signés à l'hôtel des Cascades, ne pouvant pas se retrouver ensemble avec les autres restants, la conséquence était la balkanisation. Mais la question est celle de savoir,
comment nous sommes revenus, comment nous sommes revenus tous ensemble à Saint-Titi pour signer l'accord global inclusif. J'ai pensé qu'il était les pionniers, il devait soulever cet élément-là. C'est grâce à l'ASD, Alliance pour le sauvegarde du dialogue intercongolais, menée par le feu Étienne Tshisekedi, qui nous a ramenés tous à l'unité, à la signature de l'accord global inclusif. Merci beaucoup, Maître Richard. Et l'accord global inclusif a pondu cette constitution. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'unité nationale, l'attribuer à cette constitution, mais plutôt à l'ASD, à l'Alliance, merci, qui a milité, qui a été ça et là pour éventuellement arriver à cette constitution que nous avons. Voilà, Maître Alain Chama, vous êtes dans votre temps d'antenne maintenant. Est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas droit, enfin, de conduire le pays vers de meilleurs horizons? Et si l'un des moyens pour y parvenir, c'est le changement de la constitution, enfin, tous devons nous mettre d'accord en jugeant, bien sûr, l'opportunité de ces projets. Très bien. Le confrère a pris 20 minutes. Non. De justice, vous me donnez aussi 20 minutes. Répondez à la question et... J'ai suivi les confrères. Ramassez tout ce qu'il a dit. J'ai suivi les confrères et je commence par ce qui m'a choqué, ce qui choque l'opinion, ce qui choque les Congolais. Et curieusement, que ce soit un avocat, un aîné, je suppose, qui le dise et qui lise la disposition, l'article 9, qui dit ceci. Il a lu ça deux fois, je veux aussi la lire une seconde. Non, il a déjà lu, on comprend, c'est ce qu'il en est. S'il vous plaît. Analysez juste cet article, l'article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux et lacustres. L'État exerce une souveraineté permanente. Mais aujourd'hui, il dit, si Nanga occupe la partie est, c'est à cause de cette disposition. Et donc, si on changeait cette disposition ici... Non, il n'a pas dit Nanga, ça. Mais c'est ça la logique. Il n'a pas dit que si Corné Nanga... Attends, il dit ceci. Je suis dans l'obligation de arrêter. Non, mais c'est syllogisme. Attendez. S'il vous plaît, ça, Maître Alain Chama, c'est moi qui dirige le débat. Je suis dans l'obligation de vous arrêter si vous dites des choses qui ne tiennent pas la route. Il a dit quoi par rapport à la constitution? Il n'a pas dit que c'est cette constitution qui permet à Nanga d'occuper les territoires. Il a dit que cette constitution donne la souveraineté ou donne un chèque à blanc à ces groupes armés, à tout le monde de prendre les armes et d'occuper, de diriger les territoires avec une souveraineté telle que constatée. Je vais apprendre vos mots. Vous voyez que les minutes sont en train d'être réglées. Quand il parlait, moi, je m'étais. Il a dit, d'ailleurs. Quand il parlait, moi, je m'étais. Il a dit que. Quand il parlait, moi, je m'étais. Je vais revenir là-dessus. Allez-y. Mais laissez-moi parler parce que ce que je parle n'engage que Maître Alain. OK? Il a eu la disposition. Il a dit que cette disposition doit être changée. Elle doit être changée parce qu'elle donne le chèque à blanc, j'emprunte votre mot, à celle qui occupe l'AFC, déposer les actes et que ces actes-là soient supposés être posés par l'État. J'ai dit non. Oh, oh. C'est pas possible de couper là. Parce que Nanga, c'est un rebelle. Et les actes posés par un rebelle, quelles sont la valeur juridique des actes posés par un rebelle? Aucune valeur. Avez-vous appris qu'il y a un tribunal là-bas? Moi, je viens de Beni, trois semaines. Parce que moi, je connais les réalités de la RDC. Et allez-vous me dire que si Nanga installait un tribunal là-bas et que ce tribunal jugeait des gens, prenons le cas, il installe une cour constitutionnelle ou une cour suprême là-bas, comme c'est un État, et que cette cour-là, cour de cassation, cour constitutionnelle, parvienne à condamner un acteur politique ici à Kinshasa. Quelle sera cette décision prise à Bunagana, ou je ne sais pas, dans un des territoires occupés par Nanga, par rapport aux institutions de l'État? Et donc, ce n'est pas cette disposition ici qui nous empêche, qui empêche le régime actuel à chasser Nanga de la zone où il occupe. Je vous dis que sous cette constitution, sous cette disposition, l'article 9, l'M23 a été défait. Parce qu'il y avait encore une autorité. En s'appuyant sur quoi? Et sur quelle disposition? L'armée, il y a des spots qui parlent de l'armée. Et vous savez que le commandant suprême, c'est le chef de l'État. C'est lui qui coordonne les activités, qui mène la guerre contre toute personne, tout individu, tout groupe armé qui vient troubler l'ordre public.
Alors, est-ce que la Constitution vous empêche ou empêche nos frères ici à aller combattre Nanga? Je ne crois pas. Ce n'est pas ça le débat. Mais donc, pour dire que ce n'est pas la faute de la Constitution. Il a évoqué l'article 70 et l'article 220. Il a dit que Kabila a déverrouillé l'article 220. Mais je dois rappeler au confrère. Il a parlé des antécédents fâchés. Je vais rappeler au confrère que si Kabila n'est plus chef de l'État aujourd'hui, c'est grâce à cette disposition, l'article 220. Donc, s'il n'y avait pas cette disposition, Kabila est encore jeune. Il a une cinquantaine. C'est son aîné peut-être de quelques années. Il est un aîné de quelques années. Il est petit frère à Félix Tshisekedi. Donc, il a encore les sang chaud, la force de servir le pays. Mais cette constitution lui a dit, en dépit de votre force, en dépit de votre âge, allez vous reposer. Cette constitution l'a mis à la retraite, quelque part, à 50 ans ou moins de 50 pourquoi ans. Pourquoi l'actuel parti du pouvoir n'a pas droit de réfléchir? Pourquoi quand il y a un débat qui se porte, une voix qui s'élève pour le bien fondé ou pour montrer le bien fondé du changement de cette constitution, l'ancienne famille du chef de l'État ou la plateforme du cher Joseph Kabila s'élève contre ce projet? Pourtant, vous, en 2016, vous étiez dans le même schéma auquel l'UDPS s'était fermement opposé. D'abord, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? D'abord, si vous avez suivi le président Joseph Kabila tout au long de ses mandats, quand on lui posait, je me rappelle même d'un journaliste, une journaliste belge, qui lui avait posé la question, est-ce que vous allez vous représenter, vous allez changer la Constitution? Il avait dit non. Non, non. Il avait dit. La question lui était posée notamment sur sa représentation. Mais c'est ça. Il avait dit. Et non sur le changement de la Constitution. Mais c'est ça, parce que la Constitution limite à deux mandats. Et que la journaliste savait que Kabila a épousé ses deux mandats, donc il ne va plus se représenter. Et que l'article 220 lui interdisait de se représenter pour un troisième mandat. C'est comme ça qu'il lui avait posé cette question. Est-ce que vous allez vous représenter? Autrement dit, est-ce que vous allez violer ou changer l'article 220? Il avait dit non. Prenez la copie de la Constitution, lisez l'article 220. Ça, c'est après le marche qu'il y a eu, la marche ensanglantée. L'article 220. Et la mobilisation que l'UDPS avait réussi à faire ici à Kinshasa pour empêcher le changement de la Constitution. Tous, nous en souvenons. C'est pourquoi je vous dis que le peuple s'est approprié cette Constitution. Le peuple s'est approprié cette Constitution. Et dans l'histoire politique, ou l'histoire constitutionnelle de notre pays, c'est la toute première constitution à avoir fait 18 ans. Ou bien, disons, depuis 2006. C'est la plus vieille constitution. Évidemment. Elle doit ses mérites à quoi? Parce que c'est l'émanation du peuple. Elle est l'émanation du peuple. Mais, à 18 ans après, maître Alain Chamavou, 18 ans après, quand même c'est trop. Pourquoi elle ne doit pas être évaluée, comme l'a dit le professeur Jacques Joly? Mais pourquoi la Constitution française, qui est du 7e siècle, la Constitution belge et toutes les vieilles constitutions continuent à persister? Cette fois-ci, on doit l'adapter. Elle n'a même pas 50 ans, cette constitution. Nous avons la même réalité en que fait, la France, la Belgique, que les autres pays? En fait, c'est la question très importante qu'on peut mettre sur la place publique. Quelles sont les nouvelles réalités? Voudrions-nous quitter l'unitarisme, ok, pour devenir des fédéralistes ou des États fédérés dans le fédéralisme? Ou bien voudrions-nous balkaniser les pays? Là, vous parlez de la forme républicaine. Les diviser. Tout ça parce que c'est le débat actuel. Alors, si c'est ça le débat qu'on veut ramener, pour dire non, quand il y avait les idées pour certaines personnes qui étaient des unitaristes, c'était mal comporté. On a essayé avec l'unitarisme, ça n'a marché pas. Et je vous ai dit, mon parti, c'est Convention des fédéralistes. Donc moi, je suis un fédéraliste. Et s'il faut revenir dans le fédéralisme, en tout cas, je suis d'accord, parce que mon Kivu va se développer très facilement. D'ailleurs, le problème de 40%. C'est pourquoi on lance ce débat. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est un débat d'actualité? Est-ce que la mission du président de la République n'est plus d'unir les pays, mais de les diviser? Il n'y a pas de problème. Et donc, ce que moi je veux dire ici, cette constitution a un mérite. L'article 70,
que le confrère a évoqué, qui dit que ça permet au président de rester à vie. Parce que quand il jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation. Du non. Nouveau président. Non. Sinon, Joseph Kabila resterait à vie. Il a même donné l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'il a tenté d'expliquer de sa manière. Je lui concède, ce n'est pas mauvais. Mais cet arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est l'arrêt qui a fait même à ce que Kabila quitte le pouvoir. Parce que cet arrêt-là disait, on doit être dans un processus. OK ? Le processus est déjà lancé par la CENI. Mm-hmm. Et qu'il arrive le moment où les élections se tiennent. Mm-hmm. On doit promulguer les résultats. Mais la date butoir du mandat est déjà terminée. Est-ce que faudrait-il qu'on puisse avoir un vide juridique au sommet de l'État ? C'est là qu'il continue. C'est là qu'il continue. Mm-hmm. Il continue dans un processus électoral. Au cas contraire, il n'a pas pu respecter les obligations. Alors, comme on était en difficulté d'organiser les élections après la guerre d'M23, on a appelé la classe politique. Parce que c'était des cas, ce qu'on appelle la situation exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle, il fallait trouver un accord politique. Parce que le mandat était à la fin. On devait lancer le processus, que je viens d'expliquer, électoral, mais qui était déjà en dehors du mandat. C'est comme ça qu'on a fait un accord. La date même des élections avait été définie dans cet accord-là. Qu'on devait organiser les élections avant la fin de 2000. Un accord avec toutes les parties. Avec toutes les parties, l'opposition, classe politique, toute la classe politique et la société civile. Et donc, dire que vous pouvez rester au pouvoir sur base de cette disposition, c'est, pour moi, c'est une interprétation erronée. Est-ce que l'intention serait celle-là? Si c'est ça l'intention. Pour le pouvoir en place. Ou l'intention, c'est au lieu de changer la constitution, de conduire le pays vers des horizons meilleurs. Au lieu de changer la constitution, OK? Le confrère a dit qu'avec cette constitution, ils peuvent rester au pouvoir éternellement, l'actuel chef de l'État. Qu'il utilise ces mécanismes-là, qu'il reste au pouvoir, ça l'a changé. Et on va voir s'il va rester au pouvoir. Pourquoi sont-ils en train de vouloir dire... Non, maintenant, il pense aux générations futures. Il dit qu'après 20 ans, après 30 ans... Ce ne sera pas Tshisekedi toujours qui sera au pouvoir. Peut-être ce seront nos enfants et nous devons déjà leur préparer l'avenir qu'il faut. Je crois que Maître Pinda... Le dernier mot, c'est par rapport à l'accord que Tshisekedi est allé signer au Rwanda. Là, je parle de Tshisekedi père. À travers l'accord qu'il a appelé l'ASD. C'est que le confrère n'a pas dit. L'ASD a été négocié à Kigali. Signé avec les RCD. C'était pour, évidemment, mettre à mal un consensus qui était déjà trouvé. Ainsi, quel était le point, quelle était la divergence entre le pouvoir de Kinshasa, les nationalistes Joseph Kabila et les RCD? On ne voulait pas que les militaires puissent entrer dans le gouvernement congolais. Alors, qui a permis à ce que ces militaires-là, qu'il est en train de citer ici, celui qui était commandant, il a donné même un nom d'un général là, Sirba de Fassier, si vous l'avez recadré. C'est lui qui a permis que tous ces généraux rwandais soient dans notre armée aujourd'hui. C'est cet accord-là de l'ASD. Pendant que la solution déjà au moins avait été trouvée entre Bemba et Joseph Kabila pour élaguer de l'armée congolaise tous les militaires rwandais qui étaient dans l'RCD. Merci beaucoup. L'RCD est allé recourir à qui? À Tshisekedi le père. Et voilà aujourd'hui tout ce que nous décrions aujourd'hui. Il y a des généraux, il y a des militaires, et nous importer par cet accord-là d'ASD qu'il est en train de vanter aujourd'hui. Donc, Étienne, c'est que de rejouer un rôle. Pas aurait, macabre. Avait joué. Avait joué les rôles. Merci beaucoup. Les rôles de nous amener les Rwandais, les militaires rwandais dans l'armée, d'infiltrer l'armée congolaise. Merci beaucoup, Maître Alain Chama. À travers cet accord. Maître Richard Pinda, vous avez évoqué tantôt l'article 9. De la Constitution. La question, c'est de savoir, à l'intention de notre public, qu'est-ce que vous attendez par la souveraineté d'un État quand vous dites que, suite à cet article, eh bien, l'AFC s'impatronise au niveau des espaces qu'ils occupent. Je crois avoir déjà répondu à cette question-là, parce que je vous ai dit tout à l'heure ici que la souveraineté, c'est l'exercice de certains services qui reviennent exclusivement à l'État. Ou vous voulez le dire autrement, l'exercice
de certains services publics. Vous voyez ça ? Mm-hmm. Et dans le cas d'espèce, le contrôle de l'espace aérien, en principe, doit nous revenir. Lorsque l'AFC dit que ceci m'appartient, je me pose la question de savoir, il trouve son soubassement... À condition d'avoir le contrôle. Vous ne me suivez pas ou vous devez... Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes, là. Enfin, qui nous bloque la route ? Plaque, et ça bâché pourquoi ? Bonjour, ce que j'avais qu'il volait. Mais enfin, bonjour, ce que j'avais qu'il volait. Papa, bâché plaque, pourquoi ? Non, papa, boy, excellence, vous avez bien. Dans les services, vous avez bousculé, tout le monde. Mais respect, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème ? Vous savez à qui vous parlez ? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à quoi le yango ? Oh, papa, tu vas au. Hey! Oui, quoi? Au coquille, consigne ma agent de l'ordre n'a tenuté et ça interdit. La force laisse à la loi. C'est la longue liane. Moutou keke fourrière. Aux amis ministres. Vite! On y va. Je suis sa belle. Et maman, et ma di maman monoué. Et ça la beauté. Non, mon thème est souk, caca pomba. Mon thème est souk. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais, je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate! Busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazariba ndikuya. Mabakanga ngai mwana leru sina na vision. Basambi saidi. Mena yibia kubika. Justice de Dieu yena. Dokta, justice akufate. Ngana zana deka. Ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana na ngakutu ya ngoyo. Na longo wana, na keko sala bilanga, babenga na biso, jikisa akufate, na kosuka oui, papa. Wabi. Oui, papa. Fenta na musala balungu langaye. Ouais. Sante compte final. Ouais. Justice dikabache, akubika. Akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso bakor judiciaire, conditions sociales doit permettre biso teto sale la emalam. Ba nouveau magistrat kout na babandi musalati. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koyan dengeni. Abika. Abika. Mingi. Le col à côté hôpital n'attend en fati. Donc d'Abika. Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayo Kibino, c'est vrai, justice Nabiso est malade. Mais pour Nakobi qui ça y est, et Sengi apport yaba Congolais Nyoso. Yango wana to bengami biso Nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Ali. Finis les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Finis les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Finis les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout, sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, hey! Na imprimerie Mouzouri, Tobou qui va prendre l'indengue à Kafou Kafou. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 dollars ya pamba. Et souki wanate, tozapé na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse,
polo, képi, roll-up ordinaire et VIP, na pris 10 000. Yoka mwana mère, ton bouki peba extinct na 29 dollars ya pambaye. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 00 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Vous voulez trouver des excuses à l'AFC? Mais pourquoi vous nous prêtez les intentions? Laissez-moi, parce que vous trouvez des excuses à tout le monde. On vous pose des questions. À tout le monde. Autant je l'ai je fait voudrais, à votre co-débatteur. Avant d'en venir, je constate qu'il y a... Je vous ai demandé de me trouver quelqu'un de calibré. Ici, l'ASD avait pour une mission de réunir tout le monde ensemble. Nous avons été, je le dis, nous avons été d'accord que l'on puisse mixer et brasser. Mmh. Ok ? C'est-à-dire tous ceux qui se disaient congolais. Et Tshisekedi était au cœur de ce projet. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Nous avons été d'accord que l'on puisse mixer et brasser à une condition. C'est que Kabila a refusé. Prenez la police de débat, s'il vous plaît. C'est Kabila refusé. S'il vous plaît, maître Anéchama. La seule condition que l'on puisse noter tout ce qu'il est en train de dire et vous allez répliquer. Que l'on puisse identifier et recenser qui est congolais et qui ne l'est pas. Ce qui a été fait ou pas? Ce qui n'a pas été fait. Tshisekedi l'a déploré. Étienne Tshisekedi a déploré cela. Souvenez-vous encore une chose. Lorsque Tshisekedi a dit, lorsqu'il a quitté Saint-City, après avoir obtenu l'accord global et inclusif, il dit il faille à ce que l'on puisse mixer et brasser, mais à condition que l'on puisse identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Posez-vous la question de savoir, il dit qu'un consensus avait été trouvé, que l'on ne puisse pas mixer et brasser les militaires du RCD Goma. Ok? Parce que c'était de Rwandais. Ok? Pourquoi, lors de mixage et brassage, les militaires du MLC n'ont pas été brassés et mixés? Parce que Joseph Kabila, je vous ai dit, l'opinion retiendra une chose, j'ai toujours dit et je le redis. Kabila, c'était un gars très intelligent, super intelligent, mais avec une mission précise de mettre le Congo à terre, de mettre le Congo à genoux. Qu'est-ce qui vous fait croire? Laissez-moi y aller. Quelqu'un est nationaliste? D'achever le Congo. Je pensais que vous aviez la police de débat. Quelqu'un qui refuse le brassage, vous l'acceptez? Non, s'il vous plaît, maître Alain Chama, vous notez tout ce qu'il dit, vous allez répliquer dans votre temps d'antenne. Souffrez l'opinion retiendra que le malheur aujourd'hui du Congo, c'est JKK. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec un objectif précis. Lequel? Entre autres, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'accorder des grades au sein de l'armée, avant d'arriver à accepter une personne au sein de l'armée, il faut que le Conseil supérieur de la sécurité, de la défense et de la sécurité puisse statuer sur cette question. Voilà pourquoi, intelligent qu'a été le président, le feu Étienne Tshisekedi, il a pris l'initiative. Il dit, mixer, brasser, oui, c'est bien beau. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Le prétexte du Rwanda, c'est les FDLR. Vous voulez traquer les FDLR, ok, nous sommes d'accord, mais quittez aussi le territoire de la République démocratique du Congo. Nous pouvons bon crier, les FDLR n'existent pas, on ne sait pas où les situer, ainsi de suite, tout ça, mais le prétexte du Rwanda serait toujours là. Vous voulez aussi mixer, brasser, ok. La question... Mixons, braxons, je reviens sur ça, s'il vous plaît. Je dois recadrer le débat, s'il vous plaît. Allez-y. Les débats portent sur le changement de la Constitution. Vous avez posé une question qui n'avait rien à voir. Vous dites en quoi a-t-il fait Joseph Kabila pour qu'il soit responsable des malheurs? Pendant que je suis je en train insister. De vous répondre, je vais insister. Vous cherchez maintenant souffrez, des prétextes à Joseph que Kabila. Je pose des questions, maître Richard Pignan. Ben, l'opinion retiendra que je pose des questions. Deux co-débatteurs ici sur cette émission. Allons-y. Ça ne sert à rien. Ce ne sont que des intentions. Et je crois que comme c'est un enregistrement, ça, c'est la on ne va pas couper toutes ces parties. Vous restez dans l'intention malheureusement. Non. Allons-y. La question, c'est de savoir. Nous parlons de la Constitution. Alors, quel est le lien direct? En quoi Kabila, quel rôle Kabila a joué dans
l'élaboration ou la rédaction de cette constitution. Puisque tous savons sur ce plateau dans quel contexte nous avons voté cette constitution. Et c'était la participation de tout le Congolais, y compris même l'UDPS. Pas du tout. Mais oui, n'imputez pas abusivement à l'UDPS d'avoir participé à la constitution. L'UDPS a été à Sainte-Cité la fuite. S'il vous plaît, vous avez la police des débats ou que c'est lui c'est qui... C'est parce qu'il est monopole. Répondez, il essaie de vous déstabiliser tout simplement. Ne tombez pas dans ces pièges. Allez-y. Okay. Cette constitution ne vient pas de Sainte-Cité. Mm. Cette constitution elle vient d'où, de Kigali? Trouve son fondement de l'accord global et inclusif. C'est-à-dire que nous avons quitté Sainte-Cité, ok? Nous avons quitté Sainte-Cité avec l'accord global inclusif et les pays avaient été gérés par l'acte constitutionnel de 2001. De okay? Laurent Désiré Kabila. Exactement. Mm-hmm. Et nous arrivons, l'acte constitutionnel de la transition, pas de Laurent Désiré Kabila, de la transition. Un acte constitutionnel qui avait été pris, ok? De 2001 à 2003, ok? La constitution est venue par les belligérants. Lesquels belligérants? C'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir, sauf UDPS. Vous avez le MLC, 1 plus 4. Sous 1 plus 4, cette constitution a été conçue, a été rédigée, a été. C'est-à-dire que l'UDPS n'est pas responsable de cette constitution. C'est-à-dire que vous avez. Mais l'UDPS ne représente pas les 100 millions de Congolais, après tout. Vous êtes contradictoire avec vous-même. On avait la société civile, on avait les groupes armés. Vous êtes contradictoire avec vous-même. Lorsque vous imputez à l'UDPS d'être aussi responsable de cette constitution, c'est ce que je suis en train de vous répondre. L'UDPS n'a pas dit qu'il est, qu'il parle au nom de 110 millions de Congolais. Pas du tout. La preuve en est que vous et lui, vous ne tenez pas la position de l'UDPS. Vous êtes dans la position du FCC. En fait, c'est clair. Alors, je reviens sur la question, parce que apparemment vous vous contredisez vous-même. Vous posez la question de savoir, ok, vous avez accusé l'UDPS. Vous deux, vous avez dit que l'UDPS était responsable de cette constitution. Moi, je vous démontre que, c'est-à-dire qu'en 2001, lorsque nous avons obtenu l'accord global et inclusif, jusqu'en 2003, où déjà, lorsque nous disions tout s'arrête, nous étions dans la rue, nous, UDPS, les 1 plus 4 qui dirigeaient le pays, c'est-à-dire vous aviez Zaïdi Ngoma pour l'opposition, vous avez le RCD Goma avec Zaïdi Ngoma, avec Azarias Rouberoua, vous avez Jean-Pierre Bemba en tant que vice-président et vous avez le feu Yerodia Ndombassi. Non, Yerodia Ndombassi peut perdre. Il y avait la représentation de la société civile avec. Pas du tout. Avec Arthur Zaïd Ngoma. C'était l'opposition. Après papa, avoir quitté l'RCD. Il a quitté, il est allé dans l'opposition. Ce n'était pas la société civile. Mais on l'a présenté en tant que société civile. Non, non, pas du tout. Il était de l'opposition politique non armée. En principe, bon, ça c'est un autre débat. Et donc, ici, l'opinion retiendra. Vous reniez et que vous avez été dribblé. Allez-y. Mais oui, si on a été dribblé, où est le problème? Nous avons été dribblés pour ne pas cautionner tout ça. Non. Si ça va en notre faveur. Et aujourd'hui, en quoi cette constitution, par exemple? Ne m'amenez pas sur un autre débat. Je voudrais d'abord écouter l'opinion sur ce on point. On n'a plus assez de temps. Dans deux minutes, s'il vous plaît. Dans deux minutes, on n'a plus assez de temps. La réalisation de l'homme. J'étais en train de dire que où nous sommes rendus. L'UDPS n'a jamais participé à la rédaction de cette constitution. L'UDPS n'a jamais initié pareille constitution. Et donc, l'opinion retiendra. C'est comme vous le dites tout à l'heure, vous me posez la question de la responsabilité de Joseph Kabila. Mais c'était lui le président de la République. C'était lui qui prenait l'initiative. Mais on n'avait pas toutes les institutions à l'époque. C'est et d'une manière ou d'une autre, toutes les institutions n'étaient pas en place. Quelles institutions démocratiquement établies. Telles que quoi, par exemple? Parce que nous avions un parlement, nous avions une cour suprême, nous avions le truc de droit de l'homme ici, nous avions les... ce n'était pas des institutions démocratiquement établies. Qu'est-ce que vous entendez par démocratie? On dit que c'est un débat de deux personnes. Non, qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Qu'est-ce que vous entendez c'est moi qui pose des questions. Non, mais alors là vous prenez une autre casquette, c'est bon. L'opinion retiendra que il est temps que nous puissions changer de fusil d'épaule. Et d'ailleurs, ce mot ici viendra à mon mot de la fin. Et en quoi cette constitution bloquerait la marche du pays? Aujourd'hui, vous, en tant que membre ou cadre de l'UDPS, êtes-vous fier de la marche du pays? Il est très rusé, allais-je dire. Cette question, j'y ai répondu
en dehors du plateau pour lui dire que c'était un faux débat. Mais je vais quand même lui répondre. Parce qu'il est inconcevable. Maître Richard Bouda, que d'accusations. Que d'accusations sur ce plateau. Lorsque j'essaie de répondre, on me ramène dans la logique des accusations. Mais je n'y suis pas là. L'opinion retiendra que dans un État, on organise ces derniers pour accéder à son développement. À titre illustratif, vous avez les contentieux avec le gouvernorat. Nous parlons de là, dans un État décentralisé, je pourrais même dire mieux encore, dans un État fortement décentralisé comme le nôtre, ça veut tout simplement dire que les dirigeants avec les dirigés sont proches. Et cette proximité est assurée par la gestion des gouverneurs. Mais lorsque nous sommes dans un État comme le nôtre, où, j'insiste pour dire, que les conflits sont permanents entre les assemblées provinciaux, les assemblées provinciales, allais-je dire, et le gouvernorat. Ça, c'est sous, c'est sous la présidente Tshisekedi qu'on a vu des tensions persistantes dans des organes délibérants. Sous Kabila, on a vu des gouverneurs qui ont fait plus de 12 ans, 10 ans. Julien Paluku, par exemple. Et donc, est-ce que ce n'est pas une question de leadership, et de gouvernance? Non. C'est un problème de leadership, c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de la Constitution. Quand vous nommez le premier ministre une année après, ou 8 mois après, pendant que Kabila nommait le premier ministre 10 jours après. C'est moi qui ai la politique débat. Est-ce que ça, c'est la Constitution? C'est moi qui tiens la Constitution. Ou c'est un problème de leadership? Merci. Vous allez conclure dans une minute, s'il vous plaît. L'opinion retiendra que mon ce sera votre dernier mot de la fin. Non, non, je ne peux pas prendre le mot de la fin, parce que l'émission a commencé avec lui. Parce que lui doit... Non, mais donnez-lui alors. Moi, mon mot de la fin, je le prendrai. Alors, parce que c'est ça le principe. Ramassez tout ce qu'il a dit. La première chose pour nous, les gens de l'Est. Et vous allez conclure en même temps. La première des choses pour nous, les gens de l'Est, notre malheur s'appelle Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Kabila, dans son nationalisme, accompagné de certains Congolais, dont Jean-Pierre Bemba, je lui donne ses mérites, ont refusé le brassage, le mixage dans ces pays. C'est lui qui est venu avec ses termes au Rwanda. Kabila est-il nationaliste? Incontesté. Comment vous pouvez-vous le démontrer? Mais je le démontre parce qu'il a refusé que tous les militaires rwandais qui étaient dans l'RCD ne puissent jamais porter l'uniforme des militaires congolais. C'est lui qui les a ramenés. C'est lui qui a créé le mixage, le brassage. S'appelle Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Ça s'est fait où? À Kigali. L'IDPS a toujours voulu entretenir celle des relations avec le Rwanda. Et quand vous osez... Il y a même Franck Dongo qui pensait faire la même chose. Il a dit, quand un autre Congolais veut seulement avoir des relations avec le Rwanda, on le taxe de quelqu'un qui a trahi, on le traite de trahison. Mais quand c'est eux qui vont négocier des accords, ils le font à l'intérêt du peuple congolais, selon eux. Et donc, notre malheur, c'est le vieux Tshisekedi du Mulumba. Mais il a démontré la responsabilité. Joseph Kabila, que je ne peux pas. Dans cette. Parce que pour les morts, il faut les respecter. Je dis, il a démontré la responsabilité. En ce qui concerne Joseph Kabila, son nationalisme n'est plus à démontrer. Et c'est ce nationalisme-là qui lui a conduit à réformer l'armée, jusqu'à la ramener à la 7e, pendant qu'il avait rencontré une armée déstructurée qui n'existait pas. A fait les pas tous avec les diables. Le confrère a dit que non, lors du mixage, on n'avait pas mixé les militaires d'IMLC. C'est faux. Les militaires d'IMLC ont été mixés, sauf ceux-là qui avaient fui à Brazzaville, parce qu'il y avait, vous rappelez-vous, de la guerre dans cette capitale, entre Bemba, son armée et l'armée de la République démocratique du Congo. Le confrère a dit que non, l'IDPS n'a jamais été dans les institutions de la transition. J'ai dit faux. L'IDPS a été à San City. L'IDPS a signé l'accord global inclusif. Et représenté par qui? Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Il arrive le moment de partage de pouvoir. Parce qu'on a donné les quotas. On a dit, le président de la République qui est en fonction reste. La majorité devait avoir un vice-président. Il a parlé d'Arthur Zaïd Ngoma. Pas Arthur, mais de fait vieux... qui était proche de Kabila, le père là, il a donné le nom.
Et les groupes armés, notamment les MLC, devaient avoir une vice-présidence, RCD Goma devait avoir une vice-présidence, et l'opposition devait avoir un poste comme vice-président. Mais l'opposition était composée de qui ? Il y avait l'IDPS et il y avait Arthur Zaïd Ngoma comme opposition non armée. Alors, au niveau de stratégie, Arthur Zaïd Ngoma a dribblé Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi s'est fait dribbler ? Il s'est fait dribbler. Et quand il s'est fait dribbler, il s'est retiré parce qu'il a perdu. Pendant que Arthur Zaïd Ngoma était là au nom de l'opposition non armée à laquelle l'IDPS faisait partie. Ce qui ne vous a pas aussi dit, l'IDPS avait des députés de transition. L'IDPS avait des sénateurs de transition. L'IDPS avait des ministres de transition. Et l'élaboration de cette constitution, c'est le manastère de tous les partis, y compris l'IDPS. Y compris l'IDPS. Prochainement, je viendrai avec la liste. L'IDPS attend que celle partie. Prochainement, je viendrai avec la liste. L'IDPS attend que celle partie qui pouvait avoir peut-être un ton divergent ou s'opposer à ces projets-là, sa voix allait être minoritaire par rapport. Non, pas nécessairement. Sa voix ne serait pas prépondérante. Déjà, les MLC étaient opposés maintenant, à l'IDPS s'est dit qu'une fois on accède au pouvoir, on fait la réforme totale. Non, d'abord, de cette je vous dis. Parce que ce serait un testament laissé par Arrêté Tshisekedi. Non, le 1 plus 4, mais Félix Tshisekedi a laissé un testament à les peuples d'abord, qu'il a exécuté. Allez-vous seulement exécuter ce qu'il n'a jamais dit et ce qu'il a dit, ce qu'il a couché, ce qui aurait été son combat, les peuples d'abord. Aujourd'hui, c'est devenu le changement de la Constitution d'abord. Votre dernier mot, maître. Et donc, mon dernier mot, c'est de dire au peuple congolais que nous venons de loin. Hier, nous étions dans la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'unité du pays à travers cette constitution. C'est cette constitution ici qui est le fruit du peuple congolais. Celle, d'ailleurs, c'est celle qui reste seulement au peuple congolais parce qu'on a tout ravi au peuple congolais. Aujourd'hui, l'économie est dans les mains des étrangers. Le peuple n'a plus de choses à manger. Ce n'est que cette constitution sur laquelle il pense que demain, on peut avoir encore un autre dirigeant qui va changer le pays. Merci beaucoup. Et donc, si on lui prive ses droits là-bas, je crois que le peuple ne l'acceptera pas. Merci. Et je dois dire aux gens, aux pionniers du changement de la constitution. Aux pionniers des changements ou tout ça. Défenseurs. Nos amis, de réfléchir deux fois. Mais, tout passe. Maître Alain Chabot, vous allez conclure. Et rien ne reste. Mais aussi en répondant à cette question, est-ce que ne craignez-vous pas, ne voyez-vous pas les risques incalculables pendant que le pays est en crise, avec des territoires occupés, de vouloir changer cette constitution maintenant ou en 2025? Vous parlez de quelle crise? La crise sécuritaire, la crise sociale, économique, la crise politique, tout ça. Disons, invitez-moi pour un autre débat, je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de crise. Mais je voudrais revenir d'abord sur ce qu'il avait dit tout à l'heure. En deux minutes, s'il vous plaît. L'opinion retiendra une chose, la cacophonie avec laquelle Maître Alain Chamavou a développé son argumentaire pour dire que le feu Étienne Tshisekedi avait préparé, était le responsable, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer avec mes mots. Voilà. Il a dit le feu Étienne Tshisekedi était le responsable des malheurs des populations de l'Est de la République. En d'autres termes, il voudrait dire que l'instabilité à l'Est de la République, c'est le président Tshisekedi. Mais la contradiction des mixages, des brassages. Non, on est dans la. On atterrit déjà, hein, maître. Permettez-nous de faire un atterrissage en douceur. Ne soyez pas agité comme une femme enceinte prête à accoucher, non, mais s'il vous plaît. Confrère, quand vous pouvez gardez votre ça, calme. Je suis pas comme une femme, je suis un homme. Alors. Confrère, il dit pouvez-vous retirer ça? Parce que je ne suis pas une femme. Par élégance, retirez. Je suis un homme. Je vais quitter votre plateau. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas agité. Si j'étais agité comme un homme, je n'accepte pas que je sois traité comme femme. Attendez, pendant que je suis un c'est homme. Moi qui fais la politique. Je n'accepterai s'il vous plaît pas cela. Il va retirer et puis on va élever. Vous en avez fait autant. Il a et dû donc, et donc, mettre l'échec à vous. Retirez d'abord cette. L'opinion retiendra. Cet langage, ce langage-là. L'opinion plutôt. Retiendra ce qui suit. En tout cas, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas. Je ne dois pas être traité d'une femme
pendant que je suis un homme dans une il émission. Est en train, et que je sois traité par un confrère. Il retire. Mais après, non, mais il n'a pas retiré. Après tout, ce n'est pas péjoratif. Non, il n'a pas. Et il ne dit pas que vous êtes une femme. Vous êtes agité comme une femme. Tout simplement. Et c'est ce qu'il a essayé de dire. Mettre à l'aise par élégance, parce qu'il se sent vexé, vous pouvez retirer ça. Par respect à, nos, à notre public. Ce n'est pas par respect pour lui, mais pour vous qui nous suivez. Merci beaucoup. Vous n'avez, je n'avais merci pas beaucoup. Votre respect qu'on fait. Alors, attends, il va terminer. L'opinion retiendra ce qui suit. Vous avez vu l'agitation, la cacophonie, la confusion. On ne peut pas dire que Étienne Tshisekedi est responsable de malheurs à l'est de la République et dire Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. C'est-à-dire qu'il a été rattrapé par les efforts fournis par Étienne Tshisekedi pour que aujourd'hui. Parce qu'il est mort. Vous avez la police de débat ou pas du tout? Sur les morts, moi je. On est en train de conclure. J'ai une éducation. Je désannonce déjà, s'il vous plaît. Sur les morts. Maître Alain Chamarou. On ne doit pas jeter de discrédit. Ça, c'est mon éducation. Je vais parler de moi très mal. Un deuxième élément. Il dit, nous, les gens de l'Est, il n'y a pas une république dans une république, en République démocratique du Congo. On ne parle pas d'une république de l'Est. On parle de la République démocratique du Congo dans son intégralité. Moi, mais tout je ça, suis du centre. Tout ça, nous avons un chez-soi. Moi, je suis du centre. Qu'est-ce que vous voulez encore créer comme cacophonie? Lorsque vous dites que nous avons tous chez soi. Chacun est chez soi. Ça veut dire quoi par rapport à, mais il a dit qu'il est du centre. Pourquoi vous avez dit que vous êtes du centre? Tous, nous sommes, c'est là chez vous. Nous sommes de la République démocratique. Tous nous sommes, nous reconnaissons. Mais lui, nous, il a dit qu'il est du centre. Parce que c'est nous, là, c'est moi qui suis du centre, précisément du Kassai central, je paye les impôts et ces impôts garantissent la sécurité, payent les militaires à l'est de la République. Les discours tendancieux, allais-je dire, séparatistes comme celui-là, est à prohiber. Non, s'il vous plaît, moi s'il je n'ai pas tenu. Soit vous avez non, la non, ça c'est très important, débat. Parce que nous savons les. Nous non, savons maître. Sinon, je demain, on va c'est dire. C'est fini. C'est que fini moi, pour. Je des discours séparatistes s'il vous plaît. Ici, et que le service de renseignement, le service de DEMIAP, puisse venir nous cueillir, nous chercher, parce qu'on nous l'a dit ici. Non, ce n'est pas parce que nous mettons les confrères en difficulté par des éléments historiques. Qui doit dire que nous avons tenu des discours séparatistes. Nous le disons, non. J'ai dit ceci et je le maintiens. Je suis un fédéraliste. Je suis un fédéraliste. L'unitariste a vaincu. Notre constitution, elle est unitaire. Je m'accroche à ça. Mais vous voyez me dire que moi, je tiens des discours séparatistes merci. Pour que demain, les services de l'enseignement viennent derrière moi. Pourquoi il s'agit de ma personne. Merci beaucoup. Il s'agit de ma personne. Merci beaucoup, il s'agit de ma sécurité. Et quand je dis, je suis du Sid Kivu. Je suis Mouchi. C'est ça mon identité. Et personne ne peut me ôter ça. Alors, voilà. Quand je dis... Il rejette en bloc des patelines de discours séparatistes. C'est l'IDPS. C'est Étienne merci. Qui a créé ce qu'on a appelé le mixage. C'est lui qui a infiltré le mixage. Mettre à l'histoire. Oh là là. C'est l'histoire. Voilà. Voilà pourquoi j'inviterai de revenir sur votre plateau. C'est l'histoire. Parce que vous ne me protégez pas. Non, ça. Vous tenez votre ligne éditoriale au détriment de ce que nous représentons. Pas du tout. C'est très insultant lorsque j'ai la parole telle quelle. Concluez. Que avec votre bénédiction, le co-débatteur qui est du FCC, puisque vous vous sentez proche de lui, oh là là. Et vous avez le comportement qui est le vôtre. Concluez. Je suis très désolé. Concluez, maître voilà. Richard. Et donc, ne restez pas dans les accusations. Non, ce sont des faits réels. Les faits sont là. Nous sommes sur ce plateau et tous ceux qui suivent voient ce qui se passe. Et si seulement vous allez faire passer, ça sera encore un autre débat. Je pense que comme c'est un enregistrement, vous allez vous permettre éventuellement de pouvoir élaguer certaines choses telles quelles. Je vous ai dit, vous avez dit, prétendu, que l'UDPS avait pris part aux institutions de la République. J'attendais qu'on me cite même un seul nom. Vous n'allez pas me dire que F. Bazaïba avait pris part parce qu'elle était secrétaire général adjoint de l'UDPS d'antan. Si vous le dites, je vous dirai, elle a été candidate en 2006. Ne confondez pas, lorsqu'elle est devenue députée en 2006 et que l'UDPS a demandé à ce qu'on se retire, elle est restée, elle est allée au MLC. Ce sont de réalités différentes. Ne confondons pas la réalité de 2006. En 2006, on avait déjà la constitution qui est passée au référendum en 2005 et qui a été promulguée en 2006. Et donc, l'UDPS n'a pas eu de sénateur lors de 1+4. Il n'a pas eu de député non plus. D'ailleurs, il n'y avait pas de Sénat. C'est un mensonge éhonté. En 2005. Il n'y avait pas de Sénat en 2003.
lorsque nous avons quitté en 2001 pour Sainte-City, ils ont constitué une assemblée nationale, il n'y avait pas de sénat, des sénats. Voilà, concluez. Par quel mécanisme ceux-là seraient devenus sénateurs? Et donc, l'opinion retiendra... Vous allez conclure, s'il vous plaît, vous allez conclure. Le sénat existait dans la transition. Vous allez conclure, votre dernier mot. Le sénat existait dans la transition, dirigé par Jean-Marie Bordeaux comme président du sénat. Votre dernier mot. Bordeaux était sous impuissance. C'est la transition. Sous la transition. C'est sous la transition. On est en 2006 où Marini Bodo est devenu président du Sénat, le premier président du Sénat. C'est Kengo Adondo. Oh là là. Votre dernier mot, on va se quitter sur cette note-là. L'opinion retiendra une chose, que l'opportunité est là, en quoi faisant, de pouvoir réorganiser l'État. Parce que ici, nous avions relevé certains éléments, certains incongruités que l'on a trouvées dans cette constitution. Il faille à ce que nous puissions avoir une constitution qui est rédigée. Incongruité ou faiblesse? Ce sont mes mots. Incongruité. Et donc, il faille à ce qui nous concerne de pouvoir nous doter d'une constitution qui répond réellement aux réalités de la République. Lesquelles? Entre autres, la question de l'article 9 que j'ai évoqué ici, la question de ce monstre à trois têtes, de la durée du mandat du président de la République, la question éventuellement du régime politique qui régit ces pays. Parce que lorsque vous allez dans la rue, la question que l'on pose, Tshisekedi a quitté. Merci beaucoup. Tshisekedi a zaliko échoué. Et donc, l'opinion retiendra que nous sommes dans la logique d'un changement de constitution éventuel. Nous n'avons pas le monopole de quoi que ce soit parce que nous allons soumettre cette constitution, la nouvelle constitution, au référendum. Merci beaucoup. Et le souverain primaire, le chef de l'État, allez-vous décider de l'essor qui devra être réservé? Les moments opportuns. Mais pour l'instant, ce n'est pas une urgence, comme l'a dit le chef de l'État lors de son séjour à Kisangani, la ville martyre. Merci, Maître Chambre, d'être venu. J'avoue que c'était un débat houleux, agité. Merci beaucoup. J'ai l'air difficile de vous neutraliser. Merci, ça vous l'avez déjà dit. Maître Richard Pinda, merci de votre présence. Pensez-nous revenir. Des débats pareils, des tensions, ça arrive. Ça sera difficile lorsque vous ne faites pas votre travail d'être au milieu du village. On fera un effort d'être à la hauteur prochainement. Merci beaucoup. À toutes et à tous, nous vous retrouvons avec un même de plaisir. Prenez soin de vous et restez fidèles à nos programmes. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.